Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous piloter cette belle moto et on aurait plaisir à ce que vous nous en disiez quelques mots dessus, très spontanément. Racontez-nous ce que vous voulez sur cette belle moto qui, d'après ce que j'ai vu, est la plus vieille. Tout à fait, oui. Eh ben, on a voulu s'engager pour le Boulder Classic avec la moto qui représentait vraiment l'époque des années 80. Et on s'est dit, voilà, c'est celle-ci qu'il nous faut pour vraiment être dans l'esprit du Bolt classique. Et il s'avère qu'effectivement, on est la plus vieille. Donc, on est assez fiers de ça déjà. Oui, tout à fait. C'est parti sur l'idée un petit peu saugrenue d'un SMS arrivé l'année dernière à la même date, dans mon canapé, tranquille à la maison. T'as vu, ils font le Bolt d'or classique. Je réponds, c'est quoi cette embrouille? L'embrouille est simple, on recommence. Ça faisait 21 ans qu'on avait arrêté la bécane. Et on rattaque cette année avec une bécane de 78 sur une moto classique qui est vraiment fiable, simple et pour l'instant pas suffisamment efficace pour manque de bons pilotes. Mais il y a de bons pilotes déjà. Il y a de très bons pilotes dans le classique. Nous, on fait partie des débutants encore. Des vieux débutants. Historiquement, c'est quoi son parcours à cette moto? Est-ce que ça a déjà couru le Boulder? Non, elle n'a rien fait, on l'a montée toute pièce depuis septembre, donc depuis l'an dernier. Et on a mis 6 mois pour la mettre au point et puis faire en sorte qu'elle soit équipée pour pouvoir faire de la fiable et puis équipée pour pouvoir faire de la piste. Bien. Et en termes de performance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les caractéristiques de la moto? C'est un moteur 1100 cm3. La base, c'est un 1000 GS Suzuki, donc moto de 78, qui est resté vraiment le plus proche de l'origine. Le moteur est d'origine. Quelques améliorations, un beau pot d'échappement, quelques plastiques et référencements différents, adaptation au niveau des roues, des qualités de gomme qui correspondent à toutes ces motos classiques, puisque nous, dans la catégorie classique, on a une gomme qui est quasi généralisée sur tous les produits et toutes les machines. Tiens. Et alors, l'objectif finalement de cette course, allez, on vise quoi? On vise d'aller au bout et puis de faire un classement sympa, quoi. Comme on est la plus ancienne, pour nous, il faut en laisser derrière nous. Plus on en aura, plus ça sera sympa. Bon, ben alors c'est ce qu'on va vraiment vous souhaiter, qu'il y en ait un maximum derrière vous, hein, pour que finalement la plus vieille soit la plus en avant.